Bonjour, je m'appelle Suzanne Maillé. J'ai reçu le diagnostic du cancer du sein en février 2011 et à ce moment-là, j'avais 44 ans. Je suis ici avec ma fille Audrey. Moi, c'est Audrey. Je suis la fille de Suzanne qui va bientôt être grand-mère de deux petites jumelles qui s'en viennent bientôt. Au mois de septembre 2010, je suis tombée en burn-out. Donc, bien, c'était le travail, là, vraiment. Il n'y avait pas d'autre chose à la maison. Puis, au mois de janvier qui suivait, en 2011, je devais retourner en retour progressif. Je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose de différent. Donc, j'avais comme deux masses. Donc, là, j'ai été voir le médecin. Il m'a dit, pour l'instant, tu ne retournes pas en retour progressif. On va te faire passer une mammo. Puis c'était pas facile par rapport aux enfants, parce que je me disais que 16 ans, 11 ans et 5 ans, une fille, un garçon, une fille, c'était pas le meilleur moyen de le dire tous en même temps, parce qu'ils ont pas la même compréhension. C'était mon bal définissant, c'était gros moments à passer, puis fait que c'est beaucoup de changements, beaucoup de... mais ça... c'est ça. Moi, dans ma tête, je me faisais raser les cheveux pour ma mère, oui, à mon bal, là, tu sais. Fait que c'était ça mon idée première. Elle a jamais voulu. Non. Elle avait les cheveux la moitié du dos. Donc, j'ai dit, tu peux faire beaucoup de choses pour moi, mais pas couper tes cheveux parce que le bal, ça arrive une fois dans une vie. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais c'est en restant positif puis voir la lumière au bout du tunnel que c'est faisable. Sinon, j'ai jamais trouvé que c'était une autre personne ou que son énergie, sa joie de vivre avait changé en tant que telle. T'sais. Fait que ça a toujours été super, super le fun de la voir, elle, malgré tout, être elle. Depuis le début, moi, j'ai toujours été très positive dans la vie pour à peu près n'importe quoi. Donc, je me suis dit, mais là, je vais être un peu émotive. Mais moi, je voulais voir mes petits-enfants, c'était important pour moi. Mon Dieu! C'est correct. Fait que je me suis dit, je suis là pour rester, puis je sais pas combien de temps, mais j'ai dit, je vais rester. Puis je vais voir mes petits-enfants, puis là, ben on est rendu à ce que... On est rendu à ce que ça arrive. Ah, c'est ça. Elle va avoir des petits-enfants. Deux. Deux petites filles.